Bonjour à tous, on parle tous les jours de l'Afghanistan. Dans l'actualité, vous le savez, 10 soldats français ont été tués récemment, 9 autres ont été blessés ces jours-ci. Il faut dire que depuis le mois de mai, davantage de soldats étrangers sont tombés en Afghanistan qu'en Irak. C'est dire l'étendue du champ de bataille avec bien sûr des conséquences dramatiques pour la population afghane. Depuis 30 ans, le pays est victime de la guerre, de l'intolérance religieuse et puis du terrorisme. Cette semaine, dans l'Église du Monde, coup de projecteur sur les chrétiens d'Afghanistan. Ils sont une poignée, sont obligés de vivre leur foi souvent dans la clandestinité. Quel est le sens de cette présence chrétienne en terre afghane? Il n'y a pas d'église dans le pays, sauf dans les bases militaires occidentales qui abritent quelques chapelles. Et d'ailleurs, comment vit-on sa foi quand on est soldat en Afghanistan? Pour en parler sur ce plateau, je reçois Jean-Claude Bézida, grand reporter à Famille Chrétienne. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour David. Alors avant d'entamer la discussion, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur la situation de ces chrétiens d'Afghanistan. Quelle est leur situation dans cette république islamique? Explication en images de Sophie Lenné. En Afghanistan, la société se compose essentiellement de musulmans. 80% sont des sunnites, 19% des chiites. On distingue également des minorités sikhs et hindous. Dans cette république islamique, il n'existe pas d'église officielle. Et le nombre de chrétiens est estimé à seulement 0,01% de la population totale. Après avoir été gouverné par les talibans jusqu'en novembre 2001, l'Afghanistan est à présent conduit par un gouvernement de coalition. Mais les décennies de guerre et la faiblesse des institutions ont créé un climat d'intolérance qui se manifeste sous la forme de harcèlement et de violence envers les minorités religieuses. La liberté de religion est prévue dans la constitution du pays. Mais cette même constitution interdit aussi toute loi ou disposition qui serait contraire à l'islam. Les chrétiens doivent donc faire preuve d'une grande prudence. Prudence est aussi de mise pour tout musulman qui souhaiterait se convertir au christianisme. Acte passible de la peine de mort selon la charia. Abdulrahman a failli en payer le prix. Cet Afghan, converti au christianisme depuis 16 ans, fut condamné à mort en 2006. Scandalisé par cette affaire, de nombreux gouvernements occidentaux protestèrent. Le pape Benoît XVI envoya même une lettre au président Hamid Karzai, lui réclamant la grâce du chrétien afghan. Après plusieurs mois de procès, il fut finalement libéré pour troubles mentaux et trouva refuge en Italie. La médiatisation de cette affaire n'a guère arrangé les conditions des chrétiens. Interpellations, arrestations ou bien encore menaces par téléphone sont toujours d'actualité. Pourtant, malgré ces obstacles, le christianisme fait de plus en plus d'adeptes. Voilà, et puis vous l'avez vu, un grand merci à l'association Solidarité qui nous a fourni ces images. Solidarité est une association d'aide humanitaire et de reconstruction en Afghanistan. Jean-Claude Bézida, on parle de 0,01% de chrétiens en Afghanistan. Ça représente quoi? Quelques milliers de chrétiens? Alors, à vrai dire, personne ne le sait. Les chiffres qu'on cite vont de 1000 à 30 000. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait très très peu, en dehors bien sûr des expatriés et du personnel des ONG. Mais depuis une décennie, vous avez effectivement des évangéliques en particulier, des chrétiens protestants, qui viennent surtout d'Asie, du Pakistan et de Corée par exemple. Et du coup, qui ont fait des adeptes. Et dans cette population qui a été traumatisée, il faut bien le dire, par l'islamisme des talibans, ce message a connu un certain écho. Oui, ça c'est intéressant. Et donc chez les expatriés, notamment. Alors, les expatriés, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Les expatriés, c'est la petite population qui est quelquefois européenne. Enfin, vous avez des chrétiens, et à ce titre, c'est un spectacle absolument extraordinaire que d'assister à la messe dans l'ambassade d'Italie avec tout le petit monde des expatriés qui sont à Kaboul, qui est vraiment une micro-société. Qui bosse pour des ONG ou pour les gouvernements. C'est ça, vous avez des diplomates, vous avez des ONG, vous avez quelques militaires aussi, et parmi eux, vous avez des chrétiens, et il y a un lieu de culte catholique à Kaboul qui est dans l'ambassade d'Italie. Et c'est vraiment... Alors, il faut dire que tous ces gens-là vivent en état de siège
à longueur de semaine, puisque bah, par exemple pour sortir de chez vous, eh bien, vous avez un garde du corps qui vous attend en bas de votre porte, qui vous emmène à votre rendez-vous, et vous ne vous promenez pas quand vous êtes expatrié, vous ne sortez pas de Kaboul, sauf cas exceptionnel, vous ne vous promenez pas dans la rue comme ça, et donc ça fait vraiment une micro-société sous tension et qui se retrouve, un des lieux de retrouvailles, il y en a quelques-uns, il y a quelques restaurants, et il y a aussi donc la messe à l'ambassade d'Italie le dimanche soir. Et des Afghans chrétiens, donc ce sont ceux-là hein, alors, non, là, qui sont là, pas... Là, c'est vraiment les internationaux. Là, c'est vraiment les internationaux. Mais ce sont ceux dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient séduits par le christianisme après le régime des talibans ou voilà, le régime communiste. Alors là, c'est plus secret, c'est plus discret. Ils vivent, il y en a quelques-uns à Kaboul, il y en a dans d'autres grandes villes. À vrai dire, je n'en ai pas rencontré personnellement, mais ils sont effectivement ils sont quelques milliers qui font d'ailleurs état ou pas, qui la vivent de manière semi-publique, on va dire, ou totalement cachée pour le coup. Quelquefois, ce sont des gens qui ont, par exemple, l'exemple d'Abdulrahman est tout à fait parlant. Se converti, condamné à mort. Voilà, c'est un garçon, c'est un homme qui a 42 ans, qui a rencontré la foi dans une ONG catholique à Peshawar, au Pakistan, en 1990, où il faisait partie du staff de l'ONG. Et qui a vécu sa foi, qui a découvert, qui a été baptisé, et qui a vécu une foi en Europe, en Allemagne, en Belgique, avant ensuite de revenir dans son pays. Et là, effectivement, il s'est posé la question que bah, tous les Afghanistans qui chrétiens, tous les Afghans chrétiens, pardon, qui ont découvert la foi à l'étranger, eh bien, soit ils en font état, soit ils mettent un mouchoir dessus et du coup, ils la vivent de façon totalement clandestine. C'est un peu un cas particulier. Hein. Voilà. Alors, Hamid Karzai, hein, c'est le président afghan depuis la chute des talibans. En 2001, il veut installer durablement la démocratie. Ceci dit, l'Afghanistan reste une république islamique. La charia est en vigueur. Et puis, on l'a vu à ce sujet, hein, le cas de ce musulman qui a voulu se convertir a été condamné à mort. On est bien loin des critères occidentaux et de démocratie que les forces alliées défendent, hein, les militaires absolument défendent dans ce pays. Absolument. Il faut bien qu'on s'en rende compte. Alors, absolument, et il faut dire que la voie est très très étroite pour Hamid Karzai, parce qu'il faut quand même se représenter que, bien sûr, le gouvernement afghan est plus représentatif probablement de la société afghane que ne l'étaient les talibans. Mais en même temps, il est loin c'est loin d'être une démocratie parfaite. Et Hamid Karzai doit tenir compte de deux choses, entre autres. C'est un président qui vit sous de multiples contraintes, mais il doit tenir compte d'une part de la pression des talibans, et y compris dans le domaine religieux, et il ne peut pas, ça serait absolument suicidaire pour lui que de se montrer moins islamiquement correct que les talibans. Et d'autre part, il doit tenir compte d'une société qui est enclavée. Hein, je rappelle que l'Afghanistan, c'est un pays de montagne, c'est un pays qui fonctionne vallée par vallée, c'est un pays qui a relativement peu de contact avec l'étranger. Alors maintenant, bien sûr, à Kaboul, c'est saturé d'ONG, et encore qu'on ne les voit pas beaucoup, hein, parce que ça fait des années et des années que les gens ne sortent pas. Mais il doit tenir compte de cette société. Et du coup, il ne va pas comme ça proclamer du jour au lendemain la liberté religieuse pour tout le monde, la construction d'églises de façon décontractée et la liberté religieuse pour tous. Vous parliez de la pression de ces talibans. Il faut bien rappeler que les talibans étaient au pouvoir en 2001. Mmh. Aujourd'hui, ce sont en gros les terroristes qui luttent contre les Américains, les Français et les Occidentaux en général. Oui. Hein, c'est bien ça. Oui. Alors, si vous prenez une carte d'Afghanistan, en gros, la moitié nord, c'est-à-dire tout ce qui est au nord de Kaboul est à peu près sûr, et tout ce qui est au sud l'est beaucoup moins, est très dangereux. On va passer sur les différents groupes talibans et sur le Hezb Islami là, de Hekmatyar, qui est plus présent sur la région de Kaboul et qui est d'ailleurs vraisemblablement derrière la mort de nos soldats. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un pays où les choses se décident vallée par vallée. C'est-à-dire que l'influence talibane ou l'influence du gouvernement se joue village par village, chef de clan par chef de clan, vallée par vallée, et les gens, eh bien, les villages survivent. Et les chefs des clans, les chefs des clans religieux, moi je l'ai vu dans le Meydan Wardak où j'ai suivi le gouverneur, qui est une province voisine où l'influence talibane est très présente, eh bien, les gens font allégeance aux plus puissants. Et ça peut être les forces gouvernementales pendant une saison, et la saison d'après, ça sera les talibans, et la vallée va basculer. Et dans ce cas-là, les villageois, eh bien, ils suivent, ils s'alignent.
Est-ce que ces talibans menacent particulièrement les chrétiens, même s'ils sont très peu nombreux ? Ce qui est clair, c'est qu'ils n'aiment pas. Voilà. Ils n'aiment pas les chrétiens. Bon, et d'une part, et puisqu'un des objectifs, c'est effectivement de rejeter les, entre guillemets, croisés qui sont présents sur place. Les militaires occidentaux. Les militaires occidentaux. Et d'autre part, encore plus les apostats, c'est-à-dire les musulmans qui sont devenus convertis au christianisme. Alors, on l'a dit, Jean-Claude, hein, beaucoup de chrétiens sont des occidentaux expatriés dans le pays, inconsciemment ou non. Ils représentent souvent l'Occident chrétien menaçant. Alors, comment vivent-ils ces chrétiens leur foi en terre afghane ? Exemple avec Ariane et Jacques Iriard, ce couple de Français protestants a ouvert il y a 8 ans à Kaboul un centre d'accueil pour les enfants défavorisés. C'est un extrait d'un documentaire que vous pouvez voir en ce moment sur KTO. Regardez. Vendredi, jour de repos et de prière en Afghanistan. Ariane et Jacques ne dérogent pas à la règle. Malgré le danger, ils se rendent chaque semaine dans un endroit discret, secret, pour assister à une célébration protestante. Il n'y a pas d'église en Afghanistan. C'est un meeting chrétien, où la communauté chrétienne se rassemble. On le faisait ça déjà sous les talibans, d'ailleurs c'était toléré. Hein. Mais maintenant c'est vrai qu'on est un petit peu plus nombreux qu'à l'époque. Mais je pense qu'il doit y avoir à peu près un certain nombre de personnes. Ouais. Ouais. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Un nombre certain. Un nombre certain. Expatriés. Ah, expat. Ouais, oui, expat. Uniquement expatriés. On va là se ressourcer spirituellement. On peut le dire comme ça. Et ça nous fait un bien fou. Pour les fondamentalistes musulmans, manifester son engagement de chrétien en Afghanistan peut paraître comme une provocation. En juillet 2007, un groupe de 23 missionnaires coréens évangéliques est enlevé dans le sud du pays. En dépit des menaces, Ariane et Jacques ont décidé de rester. L'Afghanistan est pour eux un pays de mission. Ils sont là pour aider les plus démunis. Ils n'aiment pas du tout que les lieux soient filmés, que les gens soient filmés. Donc c'est une question de sécurité. Non, il y a eu des menaces hein, déjà. Oui, mais malgré tout, le gouvernement et le président Karzai ont signé la Constitution. Et dans cette Constitution, il y a un article qui stipule que maintenant, en Afghanistan, il y a la liberté de pensée et de religion. Donc, quelque part, on peut quand même s'appuyer là-dessus pour dire on a le droit. On a le droit. On a le droit, voilà. On a le droit, mais on est quand même menacé, voilà. On reste quand même considérés comme des infidèles et donc les ennemis. Les ennemis de... Mais on est menacé par ceux qui vraiment ne veulent pas de chrétiens en Afghanistan. Voilà, un extrait des Bretzels de Kaboul, très bon documentaire que vous pouvez voir en ce moment sur KTO. Alors Jean-Claude Bessida, hein, ce couple parle d'un lieu secret où ils se réunissent pour, entre chrétiens, entre occidentaux, entre expatriés. On vit sa foi clandestinement en Afghanistan aujourd'hui. En tout cas, on la vit de manière discrète. Et ça vaut bien sûr pour nos frères protestants. Ça vaut aussi pour les religieux qui sont présents sur place. Et parmi eux, ben, on est obligé de commencer par mentionner les petites sœurs de Jésus, hein, de Charles de Foucault. Alors, moi, c'est délicat que je vous en dise quelques mots, parce qu'à chaque reportage que je fais, je me débrouille toujours pour passer un petit moment absolument délicieux, toujours avec les sœurs de Foucault. Il y a une clause, c'est que je suis... Elle me dit, surtout, vous ne parlez pas de nous. Alors, je vais quand même faire une petite exception, je vais vous dire quelques c'est mots. C'est intéressant. Donc, elles sont là depuis 55, à Kaboul, et elles ont absolument tout vu. Elles ont tout traversé, toutes les épreuves, elles ne sont jamais parties. Elles étaient là au moment de l'invasion soviétique. Elles sont quatre, elles sont une petite équipe de quatre, menée par une Française une religieuse de grande classe qui s'appelle Sœur Chantal. Et elles ont absolument tout traversé, et elles vivent dans un petit HLM de Kaboul. Et voilà, bah c'est l'enfouissement par excellence, quoi. Et elles sont très aimées, bien sûr, de leurs voisins. Enfin, tout le monde les connaît sur place. Elles sont très aimées de leur entourage et elles font donc elles travaillent à l'hôpital, en particulier auprès des enfants, quoi. Là, on est loin un peu de ces otages dont on parlait, dont ce couple parlait dans l'extrait, hein, des Coréens protestants qui étaient venus en nombre, 23 d'un coup, pour évangéliser en Afghanistan. Est-ce que là, on n'est pas un peu éloigné
éloigné des réalités du pays. Est-ce que c'est pas dangereux que de venir comme ça, avec peut-être des bons sentiments, mais d'une manière peut-être un peu trop visible? Bah, c'est pas dangereux, c'est inconscient. Enfin, j'allais dire, c'est la. Mais bon, j'allais dire, c'est la folie de la croix après. Hein. En même temps, c'est vrai que ce groupe coréen de 21 Coréens, alors il faisait partie d'une équipe, je crois, qui a eu 600 évangéliques coréens d'une ONG qui sont venus. Bon, un certain nombre ont été pris en otage. Voilà, je crois, le pasteur a été abattu. Il y en a quelques-uns, enfin, c'est assez passé de façon assez douloureuse, finalement. Plusieurs ont pu être libérés. Mais enfin, j'allais dire, au niveau, bon, purement sécuritaire, c'est vrai qu'ils ont manqué de prudence, par exemple, en prenant la route de Kandahar dans un autobus civil, comme ça. Bon, c'était... un peu tout fou, quoi, on va dire. Enfin, en tout cas, c'était irresponsable. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces missionnaires protestants, on les retrouve effectivement en Afghanistan, mais j'allais dire comme on les retrouve un peu dans toute cette zone. Ouais. Et de fait, ils s'implantent et ils vivent leur foi et ils témoignent de leur foi. Alors, c'est pas du tout le style qu'ont choisi les catholiques sur place. Bon, en même temps, il ne nous appartient pas de juger, puis en même temps, bah, de fait, ça porte quelques fruits. Hein. Vous avez des Afghans qui ont justement saturé des violences talibanes, se sont dit, bon, bah, effectivement, là, il y a un chemin qui est pour nous aussi. Parce que ça pose la question de l'évangélisation en terre musulmane. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est un vaste débat qu'on va pas régler là. Oui. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a eu plusieurs modes de présence, et encore aujourd'hui, la présence de religieuses catholiques. Donc j'ai mentionné les petites sœurs de Jésus, donc qui sont sur Kaboul. Elles ont été rejointes il y a 2 ans maintenant, en 2006, par des sœurs de Mère Teresa, qui sont aussi une petite équipe, 4, qui elles viennent du Pakistan. Et qui sont aussi très aimés. Hein. Et là, pour le coup, c'est pas l'enfouissement. Enfin, bien sûr, c'est une œuvre caritative, mais elles portent leur sari bleu. Alors, en hiver, effectivement, elles ont une doudoune. Voilà, elles ne renient pas du tout, elles cachent pas leur identité. Non, elles ne cachent pas du tout leur identité. Elles sont actives auprès d'enfants handicapés, parce c'est une des plaies de l'Afghanistan, hein, il faut le dire. Vous avez beaucoup d'orphelins de guerre, hein, d'enfants dont les parents ont été tués, dont les villages ont été dévastés, ou qui se retrouvent comme ça dans les rues de Kaboul ou à d'autres endroits. Et elles sont très présentes et très aimées. Et puis vous avez aussi des jésuites, vous avez quelques jésuites qui sont présents. Alors là, depuis quelques années aussi, c'est des Indiens, ce sont des jésuites indiens du Jesuit Refugee Service qui sont présents à Herat. Hein, qui ont pris la décision. La décision a été prise en 2002. Qui est où en Afghanistan ? Alors, Herat, c'est tout à l'ouest, c'est vrai, vers la frontière iranienne. Oui. Alors, c'est un secteur qui est relativement calme. Mais là, vous avez une petite équipe de 3 pères jésuites qui commencent leur implantation depuis trois ans. Donc, et eux, ils ont choisi de se rendre utiles en montant une école technique, donc où ils apprennent l'informatique en particulier. Ils donnent aussi des cours d'anglais. Et là, leur grand projet, c'est en septembre, ils vont être présents auprès de réfugiés qui reviennent d'Iran, enfin des réfugiés afghans qui sont réfugiés dans leur propre pays. Alors, il y a aussi une autre très belle figure chrétienne en Afghanistan. Enfin, maintenant, il est décédé, mais c'était un dominicain. Il s'appelle le père de Broqueuil, oui. Qui est resté 20 ans dans le pays. Il est décédé en 2005 et il disait une chose très belle. Il parlait de la présence cachée du Christ parmi le peuple afghan. Oui. Alors, le père de Broqueuil, c'est une légende de Kaboul. Hein. C'est d'abord, c'est un orientaliste. C'est un dominicain. Qui était un spécialiste de la mystique soufie, et il est allé l'étudier sur place. Et donc, du coup, il est venu en Afghanistan en 1968, et il travaillait à l'université de Kaboul et aussi au lycée français. Et c'est c'était un expert relativement pointu dans son domaine. Et en même temps, ça ne lui suffisait pas. Et il voyait bien toute la misère qui régnait dans les rues de Kaboul déjà à l'époque. Et du coup, il a commencé à recueillir des enfants chez lui, à son domicile privé. Alors, je crois qu'il y en a une vingtaine, puis une cinquantaine. Enfin, voilà. Grande réussite.
Voilà, et du coup, ces enfants. Et bon, en 1983, les Russes, bon, les Soviétiques étaient là, aimaient pas trop le gars, l'ont accusé d'espionnage, et du coup, l'ont chassé, il s'est fait expulser, voilà. Et il est revenu quelques années plus tard. Et c'est un de ces enfants de la rue qui l'a relevé et qui lui doit tout, hein, Essan Merengue, qui a fondé aujourd'hui une association qui est une des plus belles associations de Kaboul, qui s'occupe de scolariser, c'est un grand mot, mais enfin d'éduquer ou de sortir quelques demi-journées par semaine les enfants des rues du cloaque où ils vivent, quoi, hein, donc de leur donner des repas chauds, de leur apprendre à se laver les dents, de leur apprendre à déchiffrer, etc. Et ouais. Puis après ils travaillent dans des hôtels. On touche à l'essence, hein, de la présence chrétienne en pays musulman. Alors l'actualité récente a rappelé aux Français, hein, également que nos soldats font la guerre en Afghanistan. 3300 militaires français qui sont accompagnés spirituellement, deux aumôniers se relaient tous les 6 mois dans le pays en Afghanistan. Des chapelles sont souvent installées dans les camps militaire. Je vous propose d'écouter Mgr Le Gall, l'évêque aux armées, qui était en Afghanistan quand nos soldats ont été tués. Il évoque le rôle de soldat. On l'écoute. C'est un métier difficile, dans un contexte difficile, surtout en Afghanistan. Et donc, ce contexte difficile fait aussi, l'éloignement de chez soi fait aussi qu'on se pose quelques questions, ou on est amené à se poser quelques questions, et qu'il y a aussi ceux qui ne rentrent jamais dans la chapelle, qui ne disent pas forcément quelque chose à l'aumônier, ou qui ne lui posent pas une question, mais qui passent près de la chapelle. Ils ne sont pas mécontents quand même qu'il y ait la chapelle, qui est l'homme de Dieu, l'aumônier, qui soit là, et à défaut d'eux-mêmes prier, que l'aumônier prie pour eux. Le danger oblige à un certain nombre de mesures de sécurité qui sont parfois lourdes, et puis ça oblige aussi à un sérieux, puis à essayer de comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on y fait et comment vivre, quoi, et comment mieux vivre. Alors on peut se perdre dans des paradis artificiels, mais généralement on regarde le sérieux, la vérité de la vie. Donc traditionnellement on dit, c'est pas seulement pour l'Afghanistan, hein, que en opération, surtout quand c'est un peu raide, l'aumônier retrouve davantage sa place, quoi. Moi j'ai pas entendu beaucoup parler du djihad. On sait bien qu'on est en face à une force armée qui est portée aussi par ce fanatisme. Mais on sait aussi très bien que dans la misère du peuple afghan, il y a des gens qui sont... parce qu'ils sont payés, et donc ils viennent... et puis ils n'ont parfois pas le choix. Hein, et puis parce qu'ils pensent peut-être comme ça défendre leur pays, hein, contre des gens qui sont des étrangers qui viennent. Donc moi, je n'ai pas du tout l'impression d'aucune manière d'une guerre de religion. Je pense que ça nous conduit à réfléchir sur, à connaître ce pays, sa tradition, sa culture. Ça mène aussi à nous poser des questions sur l'islam présent aussi en France et présent dans les rangs de l'armée française en Afghanistan. Et oui, Jean-Claude, il y a des musulmans dans l'armée française. Ça casse un petit peu cette image, hein, qu'ont les militaires occidentaux dans ces pays-là. Oui, oui. Militaires occidentaux, donc chrétiens. Oui, oui, tout à fait. En même temps, bon, bien sûr, il y a des musulmans dans l'armée française. En même temps, il y a aussi des gens donc issus de l'immigration et qui ne sont pas du tout pratiquants et qui vont justement rejoindre, je pense en particulier aux jeunes filles qui s'engagent dans l'armée et qui souvent s'engagent dans l'armée pour retrouver un espace, j'allais dire, de liberté, de laïcité aussi. Et donc du coup, pour qu'on les laisse tranquilles avec ces questions-là. Il y a aussi ce mouvement-là. C'est intéressant ce que dit Mgr Le Gall. Il dit, hein, qu'il parle du besoin de Dieu, hein, en Afghanistan. Est-ce qu'on a plus besoin de Dieu en Afghanistan, ou en tout cas on est confronté à une réalité où, bon, même si on n'est pas chrétien ou on n'est pas pratiquant, on se tourne facilement vers Dieu, hein, on n'a pas forcément conscience de ce que c'est. J'allais dire, déjà, l'Afghanistan, c'est un pays tellement extraordinaire, tellement hors norme, qui est d'une telle noblesse. Hein, j'allais dire, c'est un pays où les gens ne vont pas vers vous en mendiant. C'est un pays où les gens ont une dignité extraordinaire. Et de toute façon, j'allais dire, comme tous les pays de montagne, on est subjugué, j'allais dire, par les endroits qui sont d'une beauté à couper le souffle, littéralement. Et de fait, ce qui frappe beaucoup, bien, j'allais dire, une fois qu'on est sorti des grandes bases fortifiées comme Camp Warehouse à côté de Kaboul, et bien, c'est qu'on se sent tout petit. Et du coup, et ça concerne aussi bien les militaires français qui sont là-bas que les autres. Ils sont d'abord, ils sont dans une attitude d'humilité face à ce pays qui est tellement extraordinaire. Hein. Voilà, la deuxième chose, oui, effectivement, il y a la dimension religieuse qui est présente dans ce conflit, mais là, j'allais dire, les armées occidentales ne s'engagent pas dans cette dimension, sur ce registre-là, quoi. Il ne s'agit pas d'une croisade. On n'affiche pas cette croisade. À la limite, religieuse. Si vous voulez, si on veut rentrer dans cette logique-là, il s'agirait plutôt de défendre la civilisation contre la barbarie, si vous voulez. Quand vous avez une patrouille de l'armée française qui va aider
par exemple dans la plaine de la Chamali au nord de Kaboul. Bon, elle va faire le tour et puis elle va aider comme elle peut, que ce soit à vacciner. Elle fait des actions civiles ou militaires, elle fait aussi des actions proprement sécuritaires, mais il y a aussi toute une dimension d'aide à la population et qui est d'aider, d'apporter des kits scolaires, qui est... Et en cela, c'est une guerre juste pour vous, en quelques mots? On arrive à la fin de cette émission, c'est une question un peu difficile, mais est-ce que c'est une guerre juste pour vous? C'est une guerre juste, c'est pas une guerre simple, ça c'est certain. Elle est difficile à gagner, mais en même temps, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas, qu'on risque de perdre. Merci Jean-Claude Bessida, je rappelle que vous êtes un grand reporter à Famille Chrétienne. Et puis pour aller plus loin, quelques conseils de lecture. On a bien sûr évoqué ce concept de guerre juste. Je vous conseille un ouvrage de référence sur la question, Les guerres justes, aux éditions Jacob Duvernay, un livre de Georges Nérac. Et puis bien sûr, on a évoqué le père de Beaurecueil, le témoignage bouleversant de ce dominicain français qui est resté 20 ans en Afghanistan, Mes enfants de Kaboul, c'est aux éditions du CERF. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.